Monsieur Jean-Luc Sialou, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Pour tous ces internautes qui nous regardent en ce moment et qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter et nous dire comment vous avez intégré le système du marketing de réseau? Ok, merci vraiment pour cette intéressante question. Je suis, comme vous l'avez dit, Jean-Luc Sialou. Je suis représentant indépendant depuis 2008. Je suis issu d'une famille de 6 enfants. Je suis l'aîné, 2 garçons et 4 filles. Mon père fut ingénieur agronome. J'ai commencé à travailler véritablement en tant qu'employé lorsque je suis sorti de l'école. Il faut dire que j'ai fait la finance à l'INP HB de Yamoussoukro. Après mes études à l'INP de Yamoussoukro, j'ai fini en 2003. J'ai commencé à travailler pour la première entreprise en 2004. J'étais responsable financier d'une structure de café cacao. Après cette structure de café cacao, je fais partie des personnes qui, depuis l'école déjà, avaient décidé de chercher à s'installer pour lui-même. Et donc, mes premières expériences pour une entreprise n'ont pas été ce que je souhaitais, parce que l'une des choses que je n'aime pas surtout, c'est de travailler pour quelqu'un. Et depuis même l'école, j'avais tendance à dire ça à mes amis, que je voudrais vraiment travailler pour moi-même et je ne serais pas vraiment quelqu'un qui va travailler longtemps pour un individu. Et donc, ma première expérience dans l'entrepreneuriat privé a commencé déjà en 2006. En 2006, je me suis installé avec des amis, encore dans le même domaine du café cacao. Là, ça a été une mauvaise aventure. Après 1 an, nous avons fermé les portes. Et là, j'étais sur le carreau. J'étais vraiment en train d'attendre un autre boulot. J'ai eu une autre expérience dans le domaine du phytosanitaire avec un ami où on a monté une structure phytosanitaire. Là-bas encore, je n'ai pas été satisfait du traitement et de tout ce qui suivait le monde de l'emploi. Et là, j'ai vraiment encore démissionné et j'étais vraiment sur le carreau. Dans l'attente vraiment d'un boulot qui allait me satisfaire, j'étais vraiment en train de demander des emplois partout. Il faut dire que j'ai connu vraiment tout Abidjan grâce aux demandes d'emploi. Partout où on pouvait déposer des demandes d'emploi, j'étais vraiment l'un des spécialistes de recherche d'emploi. En ce qui concerne les gens, l'honneur, j'ai vraiment une grande spécialité là-dedans. Et c'est dans ce processus-là, après 2 années de recherche de boulot sans succès, j'étais vraiment en attente, un peu désespéré, comme on le dit, parce que j'étais déjà habitué à vivre seul. J'étais pas vraiment prêt à retourner en famille. Avec toutes les difficultés que j'avais, j'étais vraiment désespéré. J'étais vraiment sur le point même de retourner en famille. Quand un ami m'a appelé un jour et m'a dit qu'il a un boulot pour moi. Je dis, tiens, cette fois-ci, c'est pas moi qui cherche le boulot, mais c'est le boulot qui vient vers moi. Dieu merci. Et donc, j'ai répondu à son appel. Et le gars, il était tellement enthousiaste, vraiment, de me dire, Jean-Luc, j'ai vraiment un grand boulot, j'ai vraiment un grand business. Si on bosse ensemble plus tard, on va parler de nous, on sera vraiment des grands dans ce pays. J'ai dit, tiens, de quelle entreprise il parle? Et donc, comme je suis habitué au système classique, pour moi, c'était un boulot classique. Je pars à la présentation et il me parle d'un nouveau concept qu'on appelle le marketing de réseau. Je n'avais jamais entendu parler du marketing de réseau. Dans mon cursus scolaire, on m'avait jamais parlé du marketing de réseau. Et pour la première fois, j'entends parler de ça. J'étais dans le besoin. Que faire? Il me parle d'un investissement qu'il faut faire. Il faut acheter un produit. Il faut démarrer l'activité en achetant un produit. Et après l'achat du produit, tu envoies aussi des personnes qui vont acheter des produits. Et tu construis un réseau de vente qui va te permettre de gagner de l'argent. Je dis, tiens, ça c'est quelque chose de nouveau. En réalité, je peux vraiment faire, mais je n'ai pas d'argent. Et c'est ainsi qu'il m'a convaincu. Et j'ai démarré cette activité-là en 2008. Vraiment, avec toutes les difficultés que j'avais, j'ai choisi de démarrer sans savoir où est-ce que je partais. J'ai décidé de me lancer dans le vide. C'est après que j'ai démarré l'activité que j'ai commencé à comprendre véritablement de quoi il s'agissait réellement. C'est là que j'ai commencé à comprendre la puissance du marketing de réseau. J'ai commencé à vraiment œuvrer dans cet environnement du marketing de réseau qui est un environnement assez intéressant auquel je peux dire à tout le monde de s'y essayer. Voici un peu comment est-ce que j'ai démarré avec le marketing de réseau. D'accord, on retient que vous commencez ne sachant pas où est-ce que vous y allez, mais aujourd'hui on peut dire que vous êtes un spécialiste du marketing des réseaux. Pouvez-vous nous dire comment fonctionne concrètement le marketing de réseau? Ok, merci. Je peux, avec beaucoup de modestie,
dit que je ne suis pas encore arrivé là où je veux partir. Et aussi dit en même temps que après 8 années d'expérience, on peut dire qu'on sait un peu quand même où on est. N'est-ce pas? En fait, le marketing de réseau est un système de vente. C'est un système de distribution qui utilise la puissance du bouche à oreille. La puissance du bouche à oreille veut quoi? Ce que je sais d'un produit, en parlant à un ami, ça va susciter en cet ami-là le besoin, l'intérêt de pouvoir essayer le produit dont je viens de parler. Et ce processus d'aller susciter le besoin en cette personne, c'est ce que le marketing utilise pour pouvoir écouler ses produits. Et aujourd'hui, c'est une activité à part entière où plusieurs entreprises choisissent d'utiliser ce système-là, s'investissent là-dedans, utilisent la force du bouche à oreille. C'est-à-dire quoi? Un client vient, il achète un produit, il rentre dans le système, il conseille les produits de l'entreprise et l'entreprise calcule pour cette personne-là un plan de rémunération qui va se payer sous forme de commission sur les ventes qu'on réalise. L'exemple que j'aime donner pour expliquer véritablement le marketing de réseau, c'est ce qu'on a dans nos pays. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, quand vous partez par exemple à Jamaïque, qui est l'un de nos marchés ici, pour acheter un téléphone par exemple, vous allez voir autour du marché des jeunes gens qui n'ont pas de magasin, mais qui vont vous accoster. Vous dites, ah madame, est-ce que vous avez besoin d'un téléphone? Madame, est-ce que vous avez besoin d'un téléphone? Madame, est-ce que vous avez besoin de ceci? Il n'a ni de magasin, il n'a jamais demandé le prix de gros d'un produit, mais il sait au moins où se trouve ce produit-là. Donc en vous amenant à aller acheter un produit avec ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'envoyer un client à ce monsieur-là, qui lui est le propriétaire du magasin. Mais vous allez voir qu'à la base, ils ont signé un contrat qui dit quoi? Chaque client que tu vas m'envoyer, je te paye quelque chose en retour. Et voici un peu le processus. Et ça devient un boulot à plein temps pour des individus qui travaillent depuis 10 ans, 20 ans à Djamé, qui ne font que ce travail-là. Mais vous allez voir qu'ils reçoivent beaucoup d'argent rien qu'en travaillant dans le système de distribution d'un magasin, ne serait-ce qu'à Djamé. Mais imaginez-vous des multinationales qui utilisent aussi ce même système-là pour vendre leurs produits, ça devient encore plus professionnel, plus efficace, plus rassurant de travailler pour une multinationale qui travaille dans ce système de distribution. Voici un peu le marketing de réseau. L'une des caractéristiques dans le marketing de réseau, il faut qu'il ait un produit. Un produit testé, attesté, vérifié, qui a la valeur de l'argent qu'on donne. À partir du moment où il y a un produit qui a la valeur de l'argent qu'on donne, je me trouve dans un système réel de vente où j'achète un produit et je rentre dans le système de gestion de l'entreprise. Maintenant, le choix d'être marketeur, ça me revient. Je peux acheter le produit et décider de ne pas faire l'activité. En ce moment, je deviens simple consommateur, simple client. Maintenant, si je décide de vendre des produits, de rentrer dans le système de distribution, en ce moment, je deviens un networker. Et ce nom de networker me donne maintenant de mettre en place mon système de distribution qui va constituer, à créer mon équipe de vente qui va maintenant me faire avoir des revenus. Voici comment est-ce que le système de marketing de réseau, il fonctionne. Un système où on achète un produit, on rentre dans le système, on vend des produits et on reçoit des commissions suivantes. De manière très simple, voici un peu comment je peux expliquer. Le marketing de réseau est souvent apparenté à un autre système de vente qu'on appelle le travail à domicile. Est-ce qu'il y a une réelle différence et est-ce que c'est possible de pratiquer le marketing de réseau en restant à la maison, surtout en Afrique? C'est possible de pratiquer le marketing de réseau à la maison. Dans beaucoup de pays, notamment dans les pays européens, on voit beaucoup plus les gens faire ça à la maison. Ils font souvent du porte-à-porte, ils vont vers les personnes pour pouvoir écouler leurs produits. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette manière de fonctionner est en train de perdre un peu du marché. Cette manière de fonctionner ne fait pas du marketing de réseau un système professionnel. Aujourd'hui, il faut dire que le marketing de réseau est devenu un véritable système professionnel, un véritable métier qui permet à des individus de s'engager réellement dans le système et de gagner de l'argent. Ça veut dire quoi? En fonctionnant simplement à la maison, certaines personnes pourraient croire que c'est de la plaisanterie. Mais aujourd'hui, avec le système du marketing de réseau, avec l'internationalisation, avec la puissance des entreprises du marketing de réseau, le marketing de réseau est devenu une véritable industrie qui est devenue professionnelle. Ça veut dire quoi? Pour être encore plus efficace, comme nous le faisons, il faut maintenant se constituer véritablement en groupe de travail, en système de travail, en système de fonctionnement pour pouvoir inculquer une certaine éducation, pour pouvoir inculquer une certaine manière de faire aux personnes qui démarrent l'activité et de leur montrer véritablement où est-ce qu'ils s'en vont, leur parler de vision, leur parler d'équipe, de comment est-ce que l'entreprise fonctionne réellement, comment est-ce que le système fonctionne réellement. En un mot, éduquer les personnes avec lesquelles on travaille. Mais travailler à domicile, ça veut dire que je vais être un peu
individuel. Donc, on peut le faire à domicile, mais moi, le faire à domicile rend le système moins efficace que le faire dans un cadre dédié qui permet de côtoyer beaucoup d'autres personnes qui sont dans le domaine. Voici un peu ce que je peux dire sur cet aspect. Est-ce qu'il y a un canevas bien défini pour faire décoller son réseau? Un canevas bien défini, bien sûr, il y a un canevas. C'est pour ça que je parle de système. Est-ce que vous voyez? Je veux qu'on soit d'accord que toute personne qui rentre dans un système qui a été déjà établi, qui a été déjà éprouvé, qui suit les règles du système, va arriver au bout hein, avec le succès que le système là peut lui permettre de pouvoir avoir. Aujourd'hui, ce que je sais du marketing de réseau, c'est que quand vous rentrez dans un système, c'est des règles, c'est des principes, c'est des manières de faire qui ont été déjà établies, qui ont été déjà éprouvés par ces dévanciers-là qui eux-mêmes ont déjà utilisé, qui ont déjà vu les erreurs, qui ont déjà corrigé. Et donc, tu rentres simplement dans un système. Ce système-là dit quoi? Il faut avoir peut-être de l'endurance. Il faut avoir peut-être du courage. Il faut avoir de la vision. Il faut avoir des rêves. Mais avec tout ce que vous avez à avoir comme attitude pour pouvoir réussir dans le système, vous allez rentrer dans un système qui va vous façonner, qui va vous transformer, qui va vous permettre de pouvoir être plus efficace dans la construction de votre réseau. Elles sont d'accord. Et c'est comme ça que le système commence à évoluer. Moi, si je peux dire quelque chose de manière très succincte sur comment est-ce qu'on fait pour réussir dans son réseau, c'est juste de suivre le système qui a été établi par les dévanciers. Suis ton système et ton système va travailler pour toi. Ton système va te permettre de décoller, ton système va te permettre de grandir, ton système va te permettre d'avoir du succès. Ça veut dire quoi? Si tes dévanciers sont déjà à des niveaux de 5 000 $ dans un système, le minimum que ce système peut te garantir, c'est au moins 5 000 $. Donc juste suis le système et tu vas évoluer dans ton système et le système va travailler pour toi. Le système est une machine qu'on met en place pour aider des individus qui marchent au lieu d'aller essayer eux-mêmes. Le problème du marketing de réseau, c'est que les gens démarrent aujourd'hui et ils veulent essayer leur propre système. Ils veulent essayer leur propre manière de faire. Dans ce cas-là, tu t'en vas et tu cherches à créer toi-même ton chemin. C'est pas plus difficile de créer son chemin que de marcher dans les pas de quelqu'un qui a déjà réussi. Je pense que c'est plus facile de suivre les pas de quelqu'un qui a déjà réussi que de chercher à créer son propre système. Tu peux réussir en cherchant à créer ton propre système, mais tu vas mettre plus de temps. Donc si tu veux aller vite dans le système du marketing réseau, suis ton système, suis tes dévanciers, respecte ce qu'ils te disent et tu verras que ton succès sera garanti. Comme le disait Randy Gage, le marketing de réseau, c'est parfait pour tout le monde. Mais tout le monde n'est pas parfait pour le marketing de réseau. Quelles sont les aptitudes que doit acquérir toute personne qui se lance dans cette discipline? Ok, je pense que l'une des valeurs, l'une des attitudes, ou bien l'attitude, moi, que j'appelle l'attitude principale pour permettre à quelqu'un de vraiment décoller dans le marketing des réseaux, c'est avoir une grande vision, avoir des rêves et travailler pour accomplir ses rêves. Pourquoi? Parce que je dis toujours aux personnes que quelqu'un qui veut devenir un grand networker doit être capable de vivre dans le futur. Doit être capable de chaque fois se projeter dans le futur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis que c'est une attitude qui est souvent abstraite. C'est quelque chose que les gens ne calculent pas dans leur processus de travail. Quand ils veulent établir quelque chose, ils veulent entreprendre quelque chose, c'est quelque chose que les gens n'analysent pas. Mais ta vision, tes rêves, ce sur quoi tu vas te baser pour pouvoir travailler, c'est ce qui détermine les actions que tu vas mener. Est-ce qu'on est d'accord? Et ces actions-là vont être compliquées si ce n'est pas suffisamment clair devant toi ce que tu veux atteindre. C'est en ce moment-là qu'on voit tous les découragements, on voit les difficultés, on voit tout ce qui est compliqué dans le processus de travail. Donc pour moi, avoir une grande vision, c'est l'attitude essentielle pour pouvoir évoluer. Maintenant, après ça, d'autres attitudes qui découlent d'une grande vision, c'est d'avoir une certaine patience pour voir les résultats venir. Il faut avoir un certain courage pour être prêt à se réveiller chaque matin et sortir et aller au contact des personnes. Il faut avoir l'attitude d'être prêt contre les rejets.
Il faut être capable de pouvoir supporter les rejets. Parce que nous sommes dans un business où les gens vont te dire non. Peut-être même ta famille va te dire non. Peut-être que tous tes amis autour de toi vont te dire non. Maintenant, quelle est ta capacité de résistance face aux rejets, face aux personnes qui vont te dire non, qui vont te dire ça ne marche pas. Et aujourd'hui, c'est l'une des facultés que je veux prôner véritablement au sein du marketing de réseau. Parce que plein de gens n'ont pas cette carapace dure pour pouvoir dire « Ok, toi tu m'as dit non, mais je continue. » L'une des choses qui permet de continuer dans ce sens-là, je reviens toujours au point de départ. Quand tu as une grande vision, celui qui te dit non, ce n'est qu'une étape qui n'a pas marché. On passe à une autre étape et ainsi de suite, on arrive à évoluer. Vision, rêve, endurance, courage, patience, tous ces éléments-là donnent une bonne aptitude à quelqu'un de pouvoir réussir dans ce business. D'accord, vous avez cité la patience, le courage, la résistance au rejet. Tout ceci émane d'une discipline appelée le développement personnel. Pourquoi le marketing de réseau et le développement personnel sont indissociables?